Une cinquantaine de chefs d'entreprise accompagnés par le groupe IRD participent à leur premier speed meeting. Une méthode de rencontre rapide qui répond à un besoin exprimé par ces entrepreneurs. Nous sommes présents dans à peu près 750 entreprises comme participants au capital. Nous rencontrons chaque année plus de 400 entreprises. Et ces entrepreneurs que nous rencontrons, ces entrepreneurs chez qui nous sommes au capital, nous ont fait part de leur souhait de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir partager des sujets avec eux, du business avec eux, de pouvoir partager éventuellement des études avec eux, bref, de faire du business, d'avancer, de créer de la valeur avec d'autres. On croit fortement à cette notion du collectif, à cette notion d'être capable de créer plus de valeur encore en mettant les chefs d'entreprise en réseau les uns avec les autres. Le principe est connu, ces chefs d'entreprise ont une minute pour présenter leur activité afin de multiplier les rencontres. Toutes les 30 minutes, ils changent de groupe et renouvellent l'exercice. 2 heures après le début de ce speed meeting, les premiers retours sont positifs. Ça se passe bien, le rythme est bon, c'est pas trop long, pas trop rapide non plus. Parce que c'est vrai que malheureusement on ne peut pas avoir d'atomes crochus avec tous les corps de métier qu'on rencontre. Donc c'est bien que ce soit pas trop long et que ce soit très rythmé comme ça. La dimension réseau, notamment d'interaction entre les entrepreneurs que supporte le groupe IRD, est pour moi un élément essentiel au développement de ma propre société. On s'enrichit de l'expérience d'autres entrepreneurs avec leurs succès et leurs difficultés et ça nous aide à avancer. J'ai relevé deux, trois cartes de visite qui pourraient être intéressantes pour lesquelles, à mon avis, je déclencherai un second rendez-vous. Concrètement, ça m'a apporté effectivement de belles rencontres. J'ai eu des échanges constructifs, on a échangé des cartes. Je repars avec des adresses, des gens que je recontacterai probablement et qui me recontacteront peut-être également. Donc je pense qu'effectivement, c'est une ouverture qui va me permettre probablement de développer effectivement un courant d'affaires.